frère André. Tu as pris tes pinceaux pour les murs d'une église blanchie à la chaux. Ce devait être l'heure de ta vie. Pourquoi as-tu failli? Tu as pourtant prononcé des vœux, voué ton art et ton âme à Dieu. Frère André, dis-moi s'il te plaît, pourquoi tu es échoué? Frère André, tu as tant de talent, c'eût été pour toi un vrai jeu d'enfant. Autant couleur, montrant le grand moment du dernier jugement. Frère André, tu t'es retrouvé devant le grand mur, comme paralysé, le regard humide et le cœur serré. Que t'est-il arrivé? Frère André, ce ne devait être pourtant qu'une scène classique montrant le châtiment réservé aux impies et pas aux bons croyants. Où est donc l'empêchement? Frère André, au cours de ton voyage, aurais-tu croisé comme un mauvais présage un signe de Dieu qui te décourage dans ta et ton ouvrage? Frère André, serait-ce donc la peur ou bien autre chose qui gaspille nos heures? Ne peux-tu plus, en raison de ton cœur, accomplir ton labeur? Frère André, confie-toi à moi, sont-ce les damnés qui suscitent ton émoi? En as-tu rencontré, en passant par les bois, qui ébranle ta foi? Frère André, n'as-tu vu dans leurs âmes aucune malice réclamant le blâme? Et dans leurs fêtes, les hommes avec les femmes, n'as-tu rien trouvé d'infâme? Frère André, ton silence me surprend. Tu penses n'y avoir vu que des cœurs innocents qui s'aiment juste un peu plus librement que dans les sacrements. Frère André, tu ne sais pas pourquoi une religion d'amour aille dans ces gens-là qui vivent en paix bien mieux que les saints rois. Tu ne le comprends pas. Frère André, ton cœur est ému par ces pauvres vers que l'on chasse et qu'on tue. Et notre Seigneur l'a-t-il vraiment voulu tous les voir pendus? Frère André, maintenant je comprends d'où viennent tes doutes et tes questionnements. Que voulait le bon Dieu en te plaçant en un tel déchirement? Un curieux jour, le fardeau fut levé, la guerre est venue et tout fut abandonné. Frère André, ses pinceaux à jeter, ne peindra plus jamais.